Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, pour ce quatorzième podcast, je vous emmène à Moray-Saint-Denis. Moray-Saint-Denis est une petite commune située en Côte d'Or, plus précisément dans les Côtes de Nuit, qui sont ce que l'on appelle souvent le, le cœur de la Bourgogne, en particulier sur les vins rouges. C'est une petite commune qui, principalement, produit du vin rouge, sur 88 hectares et un petit peu de vin blanc sur 5, un peu plus de 5 hectares. Elle est constituée des différents niveaux qualitatifs que l'on retrouve sur la Bourgogne traditionnellement, que sont les appellations communales, premier cru et grand cru. Lorsque l'on quitte Dijon et que l'on va vers Beaune, donc 17 km au sud de Dijon, on se retrouve sur cette commune de Morey-Saint-Denis le vignoble est de part en part de cette départementale qui, la, qui traverse la commune entièrement et les vignes qui sont situées sur la partie droite sont les majoritaires. on en a un tout petit peu à gauche en appellation communale, un petit peu à droite en appellation communale. et puis on voit le coteau et sur le coteau, eh bien, on est sur les appellations premier cru, puis grand cru. Et quand on arrive tout en haut du coteau, eh bien, on revient sur l'appellation communale. Alors, c'est vrai que Moray-Saint-Denis est moins connu que ses, ses voisines euh, que sont Gevrey-Chambertin ou Chambol-Musigny, mais il faut dire que pendant longtemps, en fait, jusqu'au 19e siècle, ces fameuses communes euh, avaient le droit, euh, en fait, de produire des vins sous le nom de Gevrey-Chambertin, mais qui venaient de Moray-Saint-Denis, ou de Chambol-Musigny, mais qui venaient de Moray-Saint-Denis. Donc, forcément, elles ont gagné en célébrité, et les morais Saint-Denis se sont retrouvés un petit peu moins connus. Ce qui est étonnant, parce qu'en fait, c'est le seul village de la côte de Nuit dont les pentes, les coteaux, sont intégralement classés en grands crus, du nord au sud. Ça représente quand même 37 hectares de pentes orientées au Levant, qui représentent le plus haut niveau qualitatif de la Bourgogne. Et puis aussi, une autre originalité, c'est que sur ces cinq grands crus, euh, à part euh, donc le petit bout de Bonnemar qui est sur Moret, il y a quatre autres grands crus et ce sont tous des clos. Donc, ça, c'est assez original. Au niveau du terroir, hein, on va retrouver euh, les calcaires, je dirais un petit peu comme d'habitude, même si ce sont, par rapport à d'autres communes, des calcaires qui viennent d'une autre euh, période. Euh, sans entrer trop dans les détails, on est à 165 millions d'années pour ces origines. On parle de calcaire du Comblanchien. Pour cette cuvée, elles nous viennent de chez André Guachot. Euh, la maison André Guachot a été fondée en 1947 et elle est maintenant à la tête de la troisième génération euh, qui gère cette euh, maison de négoce. Néanmoins, ils sont aussi propriétaires de vignobles. La cuvée que nous avons a une couleur qui est rouge rubis avec un nez très parfumé. C'est amusant parce que des fois on dit des Morey-Saint-Denis sont des vins avec un fort caractère assez puissant. Et moi j'ai retrouvé, et c'est ce que j'ai aimé quand j'ai sélectionné cette cuvée, c'est quelque chose de très délicat, très parfumé, sur des notes florales, la pivoine, la rose, et puis la framboise. Et en bouche, on retrouve cette délicatesse, ces notes poivrées, de sous-bois. Une véritable impression de velours en bouche, donc euh, quelque chose de tendre et en même temps euh, charnu. C'est une sensation très agréable, c'est vraiment un vin en élégance. Et du coup, pour l'association Mes Vins, il faut être délicat aussi, faire attention. Euh, au départ, euh, j'avais pensé à un riz de veau. Et puis en restant sur l'idée du veau, je pensais aussi à peut-être un quasi de veau printanier avec les premiers petits pois ou des épinards frais, des choses vraiment tout en élégance. Et puis si on a envie de changer et puis de revenir sur un poisson, sur un vin rouge, comme c'est de plus en plus demandé, j'aurais tendance à partir sur un dos de cabillaud. Alors de façon extrêmement simple, vraiment le dos de cabillaud que vous nourrissez au beurre tranquillement qui va rissoler. Et puis, euh, on y met euh, peut-être une petite poêlée euh, de champignons ou euh, des petits légumes un peu croquants. Et avec ça, je pense qu'on a de quoi se faire plaisir. Alors, je vous souhaite une bonne dégustation, une bonne découverte ou redécouverte de cette, pour moi, très belle appellation méconnue euh, des Côtes-de-Nuit, qui est le Morais saint denis